tous, c'est Mala, vous êtes sur Summoners.fr, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de Summon. Nous sommes aujourd'hui sur le compte de Shakax. J'aime beaucoup sa décoration. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors c'est carré. Je me demande s'il est pas suisse d'ailleurs. Non, c'est aussi ce qu'on appelle un jardin à la française. C'est très beau, hein, c'est typique des châteaux Renaissance. C'est très sympa. Bon, allez, c'est fini de discuter... paysagisme et horticulture. On est parti pour la summon. Shakax, on va faire un petit tour sur ton compte. Je vois que tu nous as laissé un wish et ça, c'est cool. On aime bien gagner 10 000 de mana. On est comme ça. Bon, bah je vois direct, j'arrive. Bam, Alicia. Alicia, mais meilleur farmer du jeu, quoi. Elle vous fait Fame on L en 20 secondes. Vous vous rendez compte, quoi, pour Pex des monstres, comment ça va vite? Comment est-ce qu'elle a runé? Fatal. Attaque, dégâts, des critiques, attaque. Ok. Eh ben, d'accord, elle est pas trop rapide, mais par contre, à côté de ça, voilà, taux de critique, dégâts des critiques, de l'attaque, c'est très bien. On a un petit Veromos. Bon, il y a encore un petit peu du boulot, parce qu'effectivement, les runes sont pas encore exceptionnelles, mais je compte sur toi pour arranger ça. Ouh, il va falloir de la vitesse, mon cher ami. Il va falloir de la vitesse en deux pour ton tyran. Megan, c'est pareil, oulala, pas assez rapide. Oulala, pas du tout. Il faut plus de vitesse. On a... Bon, on a les starters, hein. Je vois pas Bernard. Bah, tout ça, c'est peut-être encore dans le storage. Ah, si, il est là. Bernard Shannon, ok. On a un Bella, ok, très bien. On a Veromos, d'accord. Objectif maintenant, hein, tu le sais. Déjà, t'as ton farmer, ok. T'as Alicia, t'es nickel. Maintenant, objectif, géant Bélis. Véro. Shannon Bernard, et puis Bella, et puis en dernier, qui c'est que tu pourrais mettre? Bah Alicia, écoute, en attendant, ou Orochi, si jamais tu te décides à le monter. Pourquoi pas? Mais en tout cas, vraiment, t'es bien parti, y a pas de problème, hein. T'as fait Veromos, tu as tes starters, bah maintenant, c'est parti pour le farm, tu vas te faire plaisir, pendant quelques mois, à farmer le géant. Qu'est-ce que ça donne en... Narène. Donc voilà, effectivement, du coup, tu ne fais pas d'arène. La semaine dernière, t'as fait 0 arène. Et cette semaine aussi, 0 arène. C'est pas possible, tu ne peux pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Tu dois faire des arènes. Fais quelques petites arènes, ce que tu veux, mais il faut faire quand même au moins tes 180 points d'honneur dans la semaine, histoire d'acheter ton Devilman. Sinon, bah, t'as Alicia, par exemple, elle ne sera jamais skill-up. Voyons voir ta Alicia, du coup. Est-ce qu'elle a des skill-up? Ok. Tu l'as full skill. Voilà, je dis de la merde. Non, mais sérieusement, fais au moins juste ça. Le minimum. Allez, c'est tout ce que je te demande. Fais 180 points d'honneur par semaine pour t'acheter le Devilman. C'est ça qui est important. Le reste, c'est pas grave. Allez, on est parti pour ce wish. Et après, on se lance dans les invocations. 10 000 de mana? Qui c'est qui parie pour 10 000 de mana? Moi, je dis 10 000 de mana. Oh, j'ai gagné! Est-ce que c'est de bon augure pour la summon? Je ne sais pas. Et on n'est pas allé regarder dans le stockage. Voyons voir dans le stockage. Y'a Colline, super, ça c'est cool. Oh, une petite rane. Petite Aria, c'est très bien. Bah écoute, t'as mis de côté les monstres qu'il faut pour plus tard, hein. T'as bien fait. Colline, Aria pour la TOA. Je vois un petit Adrian pour ton futur nécro. Donc, bah voilà, écoute, c'est très bien. C'est parfait, Shakax. J'aime vraiment beaucoup ta déco, hein. C'est extrêmement minimaliste, mais voilà, au moins, c'est bien rangé. C'est pas le bordel. Alors, tu nous as dit... Enfin, tu m'as dit, pardon, je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, sinon hein, ça va commencer à pas bien aller, de tout faire, hein, les mystiques, les pierres, l'ifrite, et bah écoute, on va tout faire. Tu m'as dit hop, que tu voulais un galion, tu m'as dit que tu voulais un Théomars, et bah on va essayer de faire ça. Écoute, ça me ferait vraiment plaisir de te faire plaisir. Direct des étincelles, ça c'est plutôt bon signe, j'aime bien quand une summon commence comme ça. Un petit Fuko, et bah mine de rien, c'est pas mal du tout. Voilà. T'en auras pas spécialement besoin parce que t'as déjà Alicia comme farmer, mais bon, ok, de la food pour ton Adrian. Allez, on est parti, on se lance un petit peu plus sérieusement dans cette summon.
Hop, 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 on va faire chauffe. Oh là, mais même pas le temps, il direct les étincelles, quoi. Oh, yes! Oh, yes, yes, ça, c'est cool, excellent! Bah, écoute, voilà, c'est pas Galion, mais... Voilà, il te manquait encore quelques bons 4 nattes. Voilà, tu as quoi? Excellent! Très, très, très bien. Bah, voilà, quoi te dire. Pour l'instant, effectivement, c'est pas forcément ta priorité, mais pour ton futur dragon, très bien. Très, très bien. Excellent, bah ça, voilà, ça c'est worth. On n'a pas de 5 étoiles, hein, même si on n'en a pas, on a un super bon 4 étoiles. Bah ça fait plaisir. C'est ça, hein, l'avantage aussi d'invoquer sur des comptes qui ont un petit peu moins de monstres. Vous êtes un petit peu plus détendu, vous savez que même si vous chopez juste un 4 nat sympa, ça fera le job. Ah, ça c'est cool, une petite 3, c'est très très bien. Bon, on va pas en reparler, hein, parce que Roi, vous la connaissez, pas mal d'entre vous, j'imagine, l'ont déjà, l'utilisent déjà. Donc, voilà, c'est très bien en dragon, c'est très bien en nécro, c'est très très bien en raid, hein, vous le savez. Un Tiron, ah, c'est dommage, c'est un très bon 4 nat lui aussi, mais tu l'as déjà. Mais il est très bien, il est très très bien. On invoque des beaux 4 nat, hein, quand même. J'avoue, je suis assez content, là. Allez. On continue sur cette lancée, on va pas perdre la main. Hop, 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 on est chaud, on chope des 4 nattes, excellent. Faut que ça continue, allez, troisième, en plus il y a des étincelles. Ça, c'est de la summon qui fait plaisir. Ok. Pourquoi pas? Écoute, il est pas inintéressant en TOA hard, mais ça sera quand même vraiment plus tard. Hein. Pour l'instant, tu le mets de côté. Voilà, au cas où, quand on sera là, tu verras si tu le montes ou pas, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Voilà, c'est trop tôt. Allez, on continue. Ah, encore un fake. Bon, les fakes, c'est quand même des 4 étoiles, donc ça veut quand même dire qu'au niveau des stats, on est plutôt bien, hein, honnêtement, sur cette semaine. On n'a pas à se plaindre. Allez. Ah, yes! Des petites étincelles. Et un roi barbare, un petit roi barbare vent, qui peut aussi faire office de cinquième monstre sur ton géant, mais très honnêtement, vu que t'as déjà Orochi, vu que t'as déjà Alicia... Je suis pas sûr que je le montrais. Honnêtement, je suis pas sûr que je le montrais, puisque en plus, c'est pas un monstre qui a du potentiel au niveau, donc tu le montes pour un job en particulier, tu te dis qu'il va te servir quelques mois, voilà, comme Akassis par exemple. Bon, et puis après, une fois que t'as géré ton géant B10, du coup, bah, tu le sors et puis tu t'en serviras plus, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on continue, il y a encore du vélin, il y a encore moyen de se faire plaisir sur cette semaine. Et puis, de toute façon, honnêtement, on a déjà eu roi, quoi. Et oh, quand même. C'est déjà bien. Allez, encore des étincelles. J'adore cette technique d'aller vite sur les vélins. Oh, vache. Ça aurait été juste énorme. On te chopait vers des hills, t'étais refait. Là, t'es un peu moins refait. T'es un peu moins refait, mais bon, écoute, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Il reste 36 vélins. Petit galion, hein. Tu m'as demandé un petit galion. Ça me ferait... bon, Imeseti. Imeseti, c'est pas mal. Plus tard, pour du GVG, en combo, avec un buldo. On t'a chopé un buldo, d'ailleurs, plus tôt dans la semaine. Avec un buldo, avec un cuivre. Ok. Bon, on veut quand même des trucs un petit peu plus basiques. Là, ils vont chercher loin, là. Ils sont trop loin, ils sont dans le futur comme Twess. Nous, on veut des trucs un peu plus simples, quoi. Tranquille. Allez, hop, hop. Ah, fini. Faut faire de la place. Alors, on va faire de la place. Hop, 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 hop. Voilà, c'est pas mal. Tac. Encore la place, bah écoute, on va en profiter, hein. C'est très bien, tu nous as fait de la place, c'est parfait, c'est ce que j'aime. Hop. Mais non, on n'est pas sur le bon, il est là. Ok, combien il nous reste de vélins? Il nous reste 28 vélins. 3 Light and Dark. Et l'Ifrit. Et les invocations exclusives, effectivement. Bon, et tout est encore possible, hein. Oh yes,
J'adore, il y a une quantité d'étincelles là. Ah non, pauvre Chi, tu l'as déjà. Ah. Ça c'est dommage, hein. Ça c'est dommage. Choper un doublon quoi, en plus quand on n'a pas beaucoup, c'est rageant, hein. Allez. Allez, 20 vélins là. Ah, on est en panne d'étincelles là. Il a calé, hein, il a calé le Stonehenge. Allez, 10 vélins. Non. Je crois que... Non. Il ne veut plus, hein. Ah, si, yes, il va nous sauver dans les derniers, là. Oh, un petit Raviti. Bah, écoute, c'est bien. C'est un bon 4 nat aussi, puisque c'est très, très bon pour le raid. Ça a un cleanse, donc c'est pas mal. Ça a un leader de def, donc c'est pas mal. C'est pas le meilleur leader de def, je suis d'accord, hein. Mais, voilà. Non, ça reste sympa. Ça reste sympa pour le raid. Bon, 4 vélins. Est-ce qu'en 3 vélins? Est-ce qu'en 2 vélins? Est-ce que sur le dernier? Non. Ça voudra pas. On a tout donné jusqu'à la fin, mais non, ça ne veut pas. Quand ça dit non, ça dit non. Écoute, il faut pas essayer de forcer le destin comme ça. C'est... Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a dans cette semaine qui t'intéresse? Tu m'as dit de faire les pierres. Peut-être Barretta? Delphoi aussi, qui est très bien. Bon, et puis à tout moment, un petit Vérade. Un petit Vérade et on se met bien quand même, hein. Non, ça sera plutôt un chat martial. Pas le même genre de bête. Encore un chat martial. Petit mammouth. Ah, il nous en reste deux, là. Dernière. Oh, pas une étincelle, hein. Pas une étincelle. Ah là 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 là. Bon. Allez, les Light and Dark. Les Light and Dark, là, il y a quand même vraiment moyen de se faire plaisir. Ne serait-ce qu'avec un 3 étoiles, hein. Je veux dire, un Basalt, un Eshir, un Jultan. Déjà, on est bien, quand même, hein. Allez. Oh, yes! Oh, yes, des étincelles! C'est brumeux. Voilà, pour le nécro, quoi. Éventuellement. Un peu déçu, je te le cache pas, quand même. Hein. Quand même un peu déçu. Mais, mon flair me dit qu'on aura bientôt un Hall of Hero citrouille. Pourquoi pas? Sur un malentendu. On n'a pas eu de Hall of Hero citrouille encore, hein, donc très honnêtement, je le sens venir dans pas longtemps. Oh là là, sérieusement, rien du tout, hein, rien du tout d'intéressant. Hein. Ouais, heureusement qu'on a eu roi au début, parce que vraiment, sinon... Allez, du coup, vraiment, il faut que ce soit Théo Mars. Hein. Allez, Théo Mars. Allez. Ha! Akamamir. C'est pas grave. Très honnêtement, c'est pas le pire à avoir au début, surtout quand tu farmes pas encore le géant Bédis, parce qu'il va très très bien en 5ème monstre. Hein. Et de une, il va scale sur la vitesse avec son skill 1. Très bien. Et de deux, il va faire des dégâts de zone. Très bien pour les vagues. Et il va contrôle très bien aussi pour les vagues. C'est un très très bon 5ème monstre. Hein. C'est un très bon 5ème monstre de GB10, si vous en êtes encore là. Donc finalement, c'est très bien de le choper à ce moment-là. Excellent. Excellent, excellent. Si on fait un petit peu un résumé, chaque axe, qu'est-ce qu'on t'a chopé? Ok. AK sur ton Nifrit. Et on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a eu 13, 4 étoiles. On est vachement au-dessus des stats. Hein. Ce qui est dommage, c'est que à la place du vampire haut, on aurait bien aimé le feu. Mais t'as quand même chopé roi. T'as Raviti, t'as Imeseti, qui sont des 4 étoiles vraiment correctes. T'as Fuko, éventuellement. Bon, ok. Écoute, très honnêtement, il n'y a pas de 5 nat, mais il y a un très bon 4 étoiles. Et voilà.
Et il y a Akamamir, c'est quand même pas mal. Chaque axe. Je te dis au revoir et je te dis à la prochaine fois. Allez, ciao.